9 doden en 4 zwaar gewonden. Met die cijfers voor 2013 wordt duidelijk dat trespassing een bijzonder zorgelijke trend is. Infrabel neemt het probleem ter harte en start met een pilootproject in Waver. Aujourd'hui, nous sommes venus placer au niveau du passage à niveau à Waver des panneaux anti-trespass. Donc c'est des panneaux qui interdisent les gens de rejoindre le quai via le PN et inversement. Les panneaux en eux-mêmes sont des panneaux en caoutchouc recyclé avec des systèmes de pyramide dessus, donc qui est fait pour interdire la marche ou la rendre très difficile. Waver est un site très intéressant dans le sens où il y a beaucoup de cas qui ont été recensés d'intrusion au niveau du quai central. Le chef de gare a notifié toute une série de cas. En 3 mois d'analyse, on a noté environ 130 cas d'intrusion. Donc ça nous a paru un site très intéressant et ce site aussi a été retenu comme hotspot au niveau de notre plan d'action. Infrabel liet zich voor dit project inspireren door initiatieven in het buitenland. Le système des blocs en caoutchouc ici est un système qui existe depuis 10-15 ans, qui est déjà implémenté sur le réseau anglais. Récemment, les Hollandais et les Portugais l'ont implémenté et sont occupés à tester l'efficacité de ce système sur leur réseau. C'est la première fois qu'on les pose en Belgique, donc il a fallu prendre pas mal de renseignements avec la firme anglaise et les gens en Angleterre qui les ont déjà posés. Donc là, c'était un petit challenge. Non seulement on a les panneaux qui traversent les voies, on a aussi une clôture qui va venir sécuriser et bloquer le passage. Alors on a aussi des panneaux qui viendront se fixer sur les quais de la gare, donc aussi pour empêcher les gens qui sont sur le quai de rejoindre le PN. Et enfin, la quatrième partie, on va placer des panneaux d'interdiction de traverser les voies pour mettre les usagers au courant qu'il y a un risque pour eux et que c'est bien évidemment interdit. L'objectif ici, c'est d'effectuer un test sur 3-4 mois afin de faire une évaluation et d'observer s'il y a toujours des intrusions ou pas, ou en tout cas si ça permet de diminuer le nombre d'intrusions. On va faire cela via une caméra donc, qui sera installée au bout du quai et qui filmera le passage à niveau et le système. Et si ces projets s'avèrent efficaces, eh ben, on va les généraliser pour l'ensemble du réseau ferroviaire.